Salut la compagnie, vous m'avez tous reconnu, c'est moi Fredo, comme tous les mercredis de 17h à 18h30 et le samedi de 16h à 17h30 sur Radio Escapade. Nous téléphoner au 09 72 38 11 29 ou au 04 66 77 95 46. Nous avons trois fréquences, bien sûr, authentiques et vraiment authentiques, 102.0, 103.3, 104.1 de la bande FM. Vous êtes bien dans le cocktail Fredo, bien sûr. Retrouvez son site, c'est 3xw.lecocktailfredo.com et le site remarquable de la station, c'est 3xw.radioescapade.org. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, quel plaisir de vous retrouver dans ce grand cocktail comme tous les mercredis. On est parti pour une heure et demie en musique avec des talents que je découvre comme ça sur des plateaux magiques ou sur des studios, comme ça sur des radios ou sur le terrain, sur des concerts, c'est vraiment magique. Au cours de cette émission, nous allons recevoir bien sûr quelqu'un que j'ai rencontré déjà il y a quelques années. On va raconter comment cette rencontre magique. C'est vraiment super tout ça. C'est Nanalys que nous allons recevoir d'ici quelques instants. On rencontrera un petit peu notre rencontre, ce qu'elle fait, sa vie, sa passion. Elle est écrivain, elle fait du spectacle, chanteuse, comédienne, à la fois aussi improvisation. Pourquoi ? Vous allez le savoir au cours de l'émission. Alors, cette rencontre, on s'est rencontrés il y a quelques années déjà, si je me trompe pas, dans un cabaret qui s'appelle le... La Salle Victoria. Oui, à Montpellier. À Montpellier, exactement. Voilà, et tu as rencontré ce petit bonhomme moustachu avec un chapeau, une clarinette. Oui, Zanini. Voilà, et donc depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté. C'est vrai, c'est vrai. Mais avec toi, Fredo, tout est simple. Il n'y a jamais de problème. Donc, c'est vraiment très agréable. Et tu m'as invité encore aujourd'hui, donc je te remercie. Voilà, chers auditeurs, c'est quelqu'un qui a du talent, voilà. Et je me rappellerai toujours que tu étais monté sur... je ne te connaissais pas et tu étais monté sur scène. Parce que tu m'avais été présenté par la production Mécène de Star, Christophe. Oui, et voilà, et tu étais monté sur scène... Complète improvisation. Hein. Voilà, je n'avais jamais travaillé, je n'avais jamais chanté cette chanson. Et suite à ça, j'ai fait un petit montage, un one-man show de 7 minutes. Et donc, tu joues avec moi à l'occasion de, comme ça, une improvisation, on n'a jamais répété et ça marche toujours. Toujours. C'est voilà, vrai, et ça fait rire les gens hein, d'ailleurs. Oui. Je remercie ton époux qui nous a fait un super montage, donc à l'occasion aussi d'une association à Beauvoisin. C'était pour le cancer en mai dernier. Pour la mélodie, avec l'association La Mélodie. Voilà. Oui. D'ailleurs, on se retrouvera dans quelques semaines pour la même association, pour une bonne cause, je crois, c'est le 25 avril. Absolument. Pour une association, c'est l'association Mélodie, mais c'est pour les enfants malades. Oui. Voilà. Tu fais, bien sûr, tu as fait du théâtre, en passant par la comédie improvisation, clown, choriste, tu fais du gospel, tu reprends de la variété française, et tu participes à beaucoup d'événements, et... On va pas s'attarder parce que moi j'aime pas faire durer le suspense, parce que moi j'ai envie de faire découvrir déjà l'artiste que tu es, parce que vraiment la première fois quand nous étions sur scène, tu es laissé aller avec moi sur scène et moi je te connaissais pas. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et ce show a fonctionné à la perfection. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion très souvent de se produire, mais le peu qu'on s'est produit, chaque fois on a rejoué la même chose, toujours avec autant de fraîcheur, de plaisir. Et puis le public a répondu présent et voilà. C'est vraiment super. Et en plus il fonctionne ce petit show. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc peut-être je veux le retravailler, on le coupe un petit peu, oui. Qui sait. Mais on change un petit peu parce que j'ai eu une autre idée. Voilà. Mais ça peut-être tu le découvriras sur un plateau tout en faisant une improvisation très prochainement. Pourquoi pas ? Avec plaisir. Voilà. Pourquoi avoir choisi Dalida ? J'ai choisi Dalida parce que c'est une grande tragédienne. Elle a fait du cinéma. Et dans chacune de ses chansons, finalement, on découvre des parties de sa vie. Donc, autant elle a commencé, par exemple, avec Bambino, où elle était très, très légère.
Et elle a fini par pour en arriver là. Et chaque chanson de Dalida, en fait, envoie un message. Et donc, si on écoute bien ses paroles, pas dans les premières chansons, dont Itsy Bitsini, mais on la voit évoluer. Et sa vie a été faite de tant de souffrances. Je veux vraiment lui rendre hommage pour son courage. Alors là, si j'avais su, je connais quelqu'un. Et j'espère qu'il est à l'écoute. C'est Daniel qui habite au Faubourg de l'Église. Il était venu faire une émission sur Dalida il y a quelques années ici dans les studios de Radio Escapade. Je le salue au passage et tu vas voir, tu vas écouter une voix magique. Et si tu es à l'écoute, tu peux venir au studio et venir parler de Dalida avec nous parce que ça serait formidable. Ce monsieur, il connaît toute son histoire. C'était une amie à Daniel. Et Daniel, il habite au Faubourg de l'Église à Saint-Hiboulet-du-Fort. Voilà. Faubourg de Mandiargue, voilà, très je ne me trompe bien. Pas, voilà. Je salue au passage, il est passionné de Dalida, et il m'a fait voir plein de photos avec Dalida, il a fait des concerts et tout avec elle, et il connaît toute son histoire, et écoute, j'espère que tu es à l'écoute. Voilà Daniel, je te fais un gros coucou. Et on va écouter Nana dans une chanson avant de continuer un petit peu ce parcours, c'est un petit peu la chanson, hein. Pas vrai? Voilà, tout hein? À fait. Tout à fait. On va t'écouter, Nana, avec très grand plaisir, sur les ondes de Radio Escapade. Bambino, bambino, ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a de jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte, gratte sous toi mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfant. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sous toi mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman, les mamans c'est fait pour ça. Et la blottie dans l'ombre douce de ses bras pleure un bon coup et ton chagrin s'envole.
Quelle voix remarquable, ma chère Nana. Bien sûr, quel plaisir de te retrouver dans ce grand cocktail musical. C'est un petit hommage à Dalida qu'on rend. Absolument. Voilà. Absolument. Elle nous a quittés, si je ne me trompe pas, le 5 mai 1987, en région parisienne. Oui. Cette grande dame, elle a été Miss Égypte. Tu vois bien que je connais mon répertoire. Tout à fait. Son histoire, Miss Égypte. Et puis, elle a fait du cinéma. Absolument. Dans le sixième jour. Oui. Ah, mais bien avant. Bien avant, oui, aussi. Dans les années 50 et 60. C'était en fait, son départ, c'était le cinéma. Et ensuite, elle s'est mise à la chanson. Alors, Dalida, pour parler de Dalida, il y a même quelqu'un qui a écrit pour elle, c'est Pascal Sevran. Oui, tout à fait. Ah. Il venait d'avoir 18 ans, par exemple. Elle venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Alors, tu vois, c'est de l'improvisation ici sur les ondes de Radio Escapade. C'est la radio qui... Qui décoiffe, qui... Où on s'évade. Ah. On est bien, Tata. On est bien, Tata. On est bien. On est bien. Alors, il y a Michel là-bas, il rigole. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous sortir, Fredo? C'est vrai. Avec Fredo, on est dans l'impro. Voilà. Voilà. Fredo, l'impro. Fredo, l'impro. Voilà. Alors, t'es passionné d'animation? Oui. Puisque tu animes à fond, tu fais plein de choses. Et c'est vraiment magique. On aura l'occasion d'ici quelques instants de parler un petit peu. Parce que tu ne fais pas que de la chanson? Non. Et tu écris des histoires. Oui. Et encore, on a pu te voir ici à Saint-Hippolyte-du-Fort à l'occasion pour le Noël des enfants du personnel ou pour la Semaine Bleue, que tu as raconté des histoires comme le vœu de Zelda. On va en parler d'ici quelques instants, mais je voulais te faire un petit cadeau, un petit coucou à notre ami Lionel Pilot. Oui. Lionel. Et à mon avis, il doit être branché, bien sûr. Mon cher ami Lionel, voilà, écoute, on a pensé à toi bien fort. Je sais que tu es un fidèle du cocktail musical. Tu nous as fait connaître un petit peu là-bas du côté des États-Unis. En parlant de ça, du côté des États-Unis, je ne sais pas qui c'est qui m'écrit en anglais. Hello, Fred. Do you speak English? Et les cocktails et, sur Facebook. Alors maintenant, tout le monde se met à écrire en anglais. Bon, il va falloir, Anouk, je ne sais pas s'il va falloir que j'apprenne l'anglais, mais là, maintenant, c'est à devenir compliqué pour moi. Donc, heureusement qu'il y a un traducteur qui indique tout. Alors, c'est magique parce que tu nous fais connaître à travers le monde la station. C'est magique. Absolutely. Good evening, dear friends from the whole world. Alors... Bonsoir, chers amis du monde entier. Ah, ben en anglais, alors tu nous as dit... Ouais. Je l'ai dit en anglais. En anglais, ouais. Tu parles bien l'anglais, ouais. Et tu l'écris bien, parce que c'est toi qui as dû écrire ça en anglais. Alors, ah, je l'écris toujours, oui, oui, oui. Alors, ouais, mais en plus, maintenant j'ai l'anglais, Amérique latine qui m'écrit. oui, même en thaïlandais aussi, alors bon, heureusement oui, qu'il y a la... Japon, beaucoup de pays, Inde, beaucoup, beaucoup de pays, et... Et également la Hollande aussi, puisque en chantant Bambino, j'ai sur YouTube, j'ai eu un producteur, mixeur. Ah mais tu sais qui c'est? George Brower. Ah mais c'est George Brower. Oui, qui m'a écouté, qui m'a dit, on a communiqué sur email. Good evening, George, if you listen to us, hein, s'il nous écoute. Et donc, il m'a demandé de chanter des chansons. Mais c'est super. Bah oui, mais c'est la magie d'Internet. Ah. Alors, Facebook et tous les réseaux. C'est beau tout ça, parce que bon, c'est vraiment magique. Parce que, oui, comme on magique. Dit, il y a quelques années, on ne pouvait pas se permettre. Oui. Tout ça, on n'avait pas tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, Radio Escapade, bon, c'est plus de 40 émissions qui sont écoutées à travers le monde. Parce que n'importe qui part à l'étranger peut écouter Radio Escapade. C'est comme n'importe quelle station, puisque maintenant toutes les stations sont équipées de systèmes Internet. Voilà. C'est donc, mais c'est vrai, je vais en Espagne par exemple, j'écoute quoi? Radio Escapade. La radio DC, Cévennes. Voilà, hein, soyons sérieux. Alors, ma chère, on va t'écouter dans une version originale, puisque j'ai eu l'occasion de... Ah oui, elle était originale. Hein. Oui. Nous n'avions pas de musique, pas d'électricité, oui, et pas de micro, a cappella. Et nous l'avons interprétée ensemble, par moment. Alors là, je ne vais pas l'interpréter avec toi, mais ça avait très grand plaisir que les auditeurs vont te découvrir et t'entendre sur les ondes de Radio Escapade, et sans oublier sur le reste du monde. Oui.
je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline, moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait: arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait: Zaza, luna caprese, oh sole mio. Gigi Giuseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes, la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller, la femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant, et la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi. Mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousels, lui disait-elle, jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs, le cœur serré, ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Et là devant la foule il a chanté: Zaza, luna caprese, oh sole mio. Gigi. Quand le train eut disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Et le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel reprit le deuil, ferma ses persiennes pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi... Les années ont passé, 5 hivers, 5 étés. No news, c'était good news, on nous avait dit. Il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, en pliant nos costumes et nos instruments, on entendait venir comme une larme, un soupir du fond de la salle cette mélodie. Croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi. Gigi. Gigi? C'est toi là-bas dans le noir?
Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures? Tu pleures, Gigi? Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains par le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano? Et invece no, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini et tu es napolitain. Écoute. Giorgio s'est mis à la guitare. Attends, Gigi, attends. Sandro est là aussi. Oh, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Ici, tu es chez toi. Ici, tu es le roi. Tu entends? Tu les entends, Gigi? C'est ton public. Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Gigi, chante, Gigi, chante. Chante pour eux. Chante pour moi qui n'a jamais su te parler. Oui, c'est ça. Chante. Allez, vas-y. Oui. Bravo, Gigi. Un pur moment de bonheur ici à la station. Reprendre Dalida comme ça, il faut le faire. Gigi Lamoras, énorme succès puisque ça a fait le tour du monde cette chanson. On la retrouve justement en Russie, en passant par l'Italie, la France, l'Espagne, les États-Unis. Beaucoup, beaucoup de pays ont repris cette chanson. C'est vrai. Ah, ouais. Et toi, tu la reprends? Oui, donc je vais c'est dans le temps, je vais la reprendre dans d'autres langues, voilà. Annie Moreau, ce personnage oui. Magique que tu adores, c'est pour oui. Ça, voilà. Donc c'est vrai, j'ai fait quelques photos à l'occasion d'un spectacle qu'on a fait ensemble et j'ai fait des plans qu'on dirait c'est Marilyn Monroe sur scène. C'est vraiment magique. J'ai jamais cherché à lui ressembler. Mais il est vrai qu'il y a quelque chose dans ma personnalité d'un petit peu enfantin, certainement. Mais j'aime aussi le répertoire de Marilyn Monroe comme celui de Dalida, parce que ce sont des femmes qui finalement ont eu des fins de vie très difficiles. Et je leur rends hommage de cette manière-là également. Parce que je pense qu'elles ont été assez courageuses. Et ne montraient pas leur vie, même si elles vivaient des moments difficiles. Et donc, c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. I want to be loved by you. Yes. Et écoutez dans cette chanson, à qui? Et puis, on se retrouve de suite après. Absolument. Allez. Tu me fais mal.
comme ça, reste encore là. On ne t'en va pas. Ah, 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 qui faire donc encore de ma tendresse? À qui? À qui raconter mes tristesses? À qui dire je t'aime? À qui raconter mes peines? Dis-moi à qui, si ce n'est pas à toi. À qui? Ah ben c'est une belle chanson des années 60, bien sûr. Ça me fait penser un petit peu à Alain Barrière. Ma vie, j'en ai vu des amants. Ma vie. Tout ça, c'est les années yéyé, si je ne me trompe pas. N'oublions pas qu'on parle de Dalida, mais Gloria Lasso a chanté Bambino. Hein, oui. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Hein, j'en parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, hors du studio. Parce que Dalida a repris pas mal de chansons. Oui, J'attendrai. Elle a repris énormément de chansons, effectivement. Histoire d'un amour, enfin, beaucoup de chansons. Voilà, c'est vraiment magique. Gloria Lasso aussi. À croire qu'on est dans la chanson, un petit clin d'œil à trois personnages, c'est Pascal vrai. Sevran, Dalida, puis Gloria Lasso. Qui nous, elle nous a quittés il y a quelques années. D'ailleurs, j'avais rendu un hommage à Gloria Lasso ici, aussi à Radio Escapade à l'époque. On pourra te retrouver le 25 avril et le samedi 9 mai pour l'association Mélodie organisée par l'association voilà. La Mélodie. Bonsoir à Nicole. On y fait un coucou. Voilà. Et donc, ça sera à Saint-Gilles, salle polyvalente. Et puis, il y a plein d'artistes qui seront là. Tu y seras. Et oui, j'ai oublié de le dire, j'y serai, voilà. Il est modeste. Avec tous ces artistes du cœur qui seront là pour cet événement. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup d'enfants malades en France comme partout ailleurs, à travers le monde. Et voilà, on est là pour soutenir, c'est notre message d'espoir. Voilà, un grand moment à ne pas manquer à Saint-Gilles, à la salle polyvalente, le 25 avril et le 9 mai. Voilà, alors nous allons partir avec un duo tous les deux ensemble. Et ça va pas être évident pour moi parce que ça va être l'improvisation. Je te jure, moi Michel Bougenat, t'as intérêt à pas nous manquer toi là-bas. Parce que si vraiment tu nous filmes, il n'y a pas de problème. Les images, vous pourrez les retrouver sur Facebook. Hein. Voilà, on est bien. Hein. Bon, bientôt on va se faire payer par Facebook si ça continue. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Alors je vais la faire sur la voix de Michel. Hein. Alors je te jure, on y va. Allez, on envoie. Allez, on y va. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que les mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, oui bien trop beau. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fendent aussi quand on les oublie. C'est moi, Michel. Caramel, bonbon et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses.
Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, 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 encore des paroles que tu sèmes au vent. Je te jure, ça va, c'est comme ça, hein? On continue, vas-y. Encore des mots, toujours des mots. Oh, ça c'est bien vrai. Rien que des mots, les mêmes mots. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Ah, ça c'est authentique, ça, il n'y a pas de problème, je te oui, jure. Oui, tellement faux. Ah oui, mais ça, moi c'est faux, hein, moi c'est faux, il n'y a pas à dire. Hein. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie ah ben d'un c'est... peu de silence. Oh mais je comprends, je te jure, je comprends. Vas-y, parle, parole, parole. On y va. Caramel, bonbon oh, et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime les parfums et les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Ah, je te jure, vas-y, des paroles, 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 vas-y, continue. Paroles, paroles, paroles. Vas-y, continue. Paroles, paroles, paroles. Chantez-moi encore. Paroles, paroles, paroles. C'est formidable. Vas-y. Paroles, 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 paroles. Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent. Ah, je te jure, je m'éclate là, mais c'est la chanson que j'adore. Paroles, paroles. C'est formidable. Paroles. Mais oui, continue. Paroles, paroles, paroles. Je te jure, ça va. Paroles, paroles, paroles. Je t'aime, je t'aime. Paroles, 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 paroles. Paroles, encore et paroles. Mais je te jure, j'en veux encore. Que tu sèmes au vent. Encore, oui. Les paroles, les paroles. Ah, je te jure, c'est formidable. Alors, j'ai pas su quoi faire là. Parce qu'en principe, c'est Alain Delon qui chante là. Alors, il n'y a même pas le texte. Alors, c'est un remixage. C'est de l'improvisation, frère. C'est de l'improvisation. Hein. Je pense que mon producteur va me tirer les oreilles là. Hein. À l'Olympia, il ne me veut plus. Il ne me veut plus, moi. Hein. Je te jure. Alors, que des artistes de talent qui viennent dans le cocktail musical. Et puis, comme toi aujourd'hui. Alors, on a fait de l'humour un petit peu. Et puis, je sais, parce que toi, tu es aussi clown. Tu as fait le clown, tu fais du théâtre. Oui, tu, oui. J'aime bien tout ça. Ouais, tu adores tout ça, tu écris des livres et donc on peut retrouver Nana tout simplement en allant sur son site remarquable qui est www.nanalis.com, sinon sa page Facebook, vous la demandez en ami, Nana Lis, voilà, je dis bien, et puis sur sa chaîne YouTube, c'est... toi qui dis de l'anglais. SoundCloud et ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà. Yes, 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 yes. Je remercie Anouk qui a assuré la technique aujourd'hui. On arrive au Merci terme de notre Anouk. Émission. N'oublions pas que vous pouvez nous retrouver, effectivement, là je le dis, le samedi 25 avril à Saint-Gilles en concert avec une quinzaine d'artistes pour l'association Mélodie. Voilà. Absolument. Merci à toi, Nana. Merci à tous les amis. Merci à vous tous.